Confiant dans votre loyauté, nous vous admettons à prononcer la promesse des scouts de France. Go! Go! Allez, go! Allez, j'entraîne, go! Oui, on y va! Go! C'est ça! C'est un peu spartiate tout de même, ils n'ont aucun entraînement. Et Lama, il est tombé tout seul peut-être? Vous ne méritez pas d'être scout. Les garçons d'Aubervilliers ont un meilleur état d'esprit que vous, oui? Vous êtes la honte de la 8e de Neuilly. Les explications à la paroisse. Regroupez-vous. Hervé? Hervé? Bon ben voilà, on est prêts nous. Prêts oui, mais... Jean-Baptiste. C'est parfait, mon vieux. Très emballé de faire ce camp. Si, je vous dis que c'est lui. Allez, Anthony, viens, on t'a gardé une place. Votre responsable sera Jean-Baptiste Foucret. Ouais. Il n'y a plus qu'un mot. Est-ce que vous êtes fatigué? Oui, oui, mais j'ai ce qu'il faut là. C'était Madame Foucret, enfin ma mère. Elle s'inquiète depuis la disparition du vieux castor, elle n'a plus que moi. Oui, oui, non, mais je comprends. Je cherche du pain frais, on va déjeuner dans le car. Vous ne descendez pas. Mais enfin, on avait dit non.